Comment tu vas, mon chacha? T'avais faim, bébé? Ah, Wesley. Oui. Oui. Et tu as déjà mangé. Tu veux un bonbon? Oui, un bonbon? Bah, tu attends que j'ai fini mon cappuccino et je te donnerai un bonbon. Oh oui! T'en as des choses à dire ce matin, mon chat? Oui! Non, assise, Wesley, tu le sais. Une troisième? Tu veux une troisième? Oui? D'habitude, c'est deux. Hein. Tu veux la? Oui, tu veux la troisième. Mais t'es pas assise là. Un petit caca. Tu reconnais la caméra, toi? Salut à tous. J'espère que vous allez bien. En ce jour, je suis désolée, mais je vous ai... J'ai pas le mot. Je vous ai trahi. Je devais me lever. Me lever pour écrire. Je me suis levée à 10h30. Ça ne va plus. Profond de mon être, je suis désolée. Surtout que là, maintenant il est 11h, le temps que je dise bonjour à tout le monde, que je me réveille un peu, que je fasse mon cappuccino. Et je vais pas pouvoir écrire parce qu'il faut que je finisse le vlog d'hier. Si je veux qu'il puisse être à l'heure ce soir. Je manque à tous mes devoirs. Veuillez m'en excuser. Je sais pas comment faire pour que vous m'excusiez plus. J'ai blackout complet. Je n'ai pas dormi de la nuit et ce matin, quand mon chat a voulu sortir de ma chambre à 6h, c'est là où j'ai commencé à m'endormir et je me suis endormie jusqu'à 10h30. Impossible de me lever quand mon réveil a sonné. On va quand même voir ensemble, avec ma tête du matin, mon petit renne, ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Du coup, première chose que j'ai loupée, c'était me lever. Il y avait le choix entre... C'est quoi les deux choix? Je me lève pour écrire. Où je fais un rush. Vous aviez voté pour que je me lève pour écrire et que j'écrive toute la journée, donc du coup là je vais faire mon vlog, je vais finir le vlog d'hier, je l'ai presque fini, il me reste pas dans mon temps, je vais le mettre vite, je vais faire la miniature et après je vais écrire tout le temps que j'ai, en fait je vais écrire. Voilà, c'était ce que vous aviez choisi de toute façon, mais il fallait que je me lève, mais je me suis pas levée, je suis désolée. Oh, c'est de pire en pire hein. Mais bon, excusez-moi. Deuxième choix que vous aviez, c'était est-ce que je coupe tout, même la musique, mais surtout internet et les réseaux sociaux pour éviter que je procrastine, ou est-ce que j'ai le droit d'avoir internet, comment j'avais formulé ça, mon téléphone est loin, j'ai le droit d'avoir internet, en fait j'ai le droit à tout et surtout de faire des pauses pour danser. Et vous avez été sympa avec moi, enfin je sais pas si c'est vraiment sympa puisque vous avez dit que j'avais le droit de garder tout. Mais du coup, ce qui veut dire que je vais procrastiner sûrement. Parce qu'on m'a tous vu avoir l'appel de Twitter qui ne sert à rien, de YouTube qui ne sert à rien, ou de danser qui me sert à me dépenser. Voilà. Et troisième question... Oh bah je vais regarder mon téléphone. Troisième question portée sur le lieu où je devais écrire, est-ce que j'écrivais dans ma chambre ou dans le salon? Et vous avez dit que je devais écrire dans ma chambre, ce qui m'arrange grandement, parce que si j'avais dû écrire dans le salon, il y a mes parents, et enfin surtout mon papa, et pour faire mes pauses de danse, ça aurait été difficile. Et pour vous parler aussi à la caméra, ça aurait été difficile. En fait, vous avez vu, c'est un jour sur deux que j'ai envie de faire des efforts. Enfin, j'arrête pas de parler alors que j'ai des choses à faire. A tout de suite.
Allez, ça suffit les bêtises maintenant. On s'y met au travail. Il est 13h30. Je suis changée, propre. Je peux aller bosser maintenant. Donc du coup, je vous ai dit des bêtises tout à l'heure sur une des questions. C'était pas... Il va falloir que je me mette autrement parce que ça va pas là. Je disais donc que je vous ai dit une bêtise ce matin quand je vous ai fait l'intro avec les questions. Puisqu'il y en a une, c'était pas j'ai le droit à internet, blablabla. C'était... Je lance toujours dans des explications, je sais jamais ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'étais partie, mon téléphone est dans la poche. Je reste entièrement dans le silence et coupe internet et les réseaux, ce qui aurait été à mon avantage puisque comme ça je m'évite de procrastiner. Ou j'écris avec notre playlist, ayant le droit de zapper aucune musique, mais en ayant le droit de danser. C'est-à-dire que je n'ai pas accès à internet en fait, dans ce que je vous ai dit. Et vous avez voté quand même à 70% pour que j'ai notre playlist et le droit de danser. Donc bon, voilà. Peut-être pour un petit peu de procrastination quand même à l'horizon. Mon sweat préféré, c'est celui-là, celui de Sam. Je dirais pas son de famille, j'y arrive pas. Sam, voilà. Mais j'ai eu un coup de foot pour ce sweat. Je suis tellement bien dedans. Du coup, si je suis bien dedans, ça doit m'aider pour écrire correctement aujourd'hui. Et au long terme, si j'y arrive, si j'ai de l'argent, si je me projette, j'aimerais bien créer ma propre. C'est pas vraiment de la merch en fait, parce que de la merch ce serait à l'effigie de quelque chose qui m'appartient. Et c'est pas ce que je veux faire. J'aimerais bien créer des goodies d'auteur, des suites avec des citations en rapport avec l'écriture ou avec des graphismes d'écriture, des tasses, des plaids, des collections de thé peut-être même, des carnets, des stylos. J'ai vu qu'il y avait certains auteurs qui écrivaient avec des mitaines, donc pourquoi pas des mitaines, des chaussettes, enfin des trucs genre vraiment que... Je sais pas, que nous on puisse mettre vraiment, bah, comme vous voyez, ça c'est de la merch, enfin, c'est vraiment genre c'est Sam Goldback, genre c'est vraiment son truc à lui, c'est sa marque, enfin il travaille avec une marque, il a fait faire ça. Il y en a plein, vous savez, qui sortent des trucs avec leur visage dessus ou un truc qui dit tout le temps, genre je sais que Alicia Marie, je crois qu'elle s'appelle comme ça, a sorti un truc avec So Extra parce que c'est sa marque et qu'elle parle tout le temps, elle dit toujours So Extra et tout. Et moi c'est pas ce que je veux faire, je veux faire un truc de la merch de tous les auteurs. Et ça se trouve, comme je suis pauvre et que je n'y arriverai jamais à le faire, il y aura quelqu'un qui l'aura fait à ma place, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai cet espoir un jour de réussir à faire ça. Je vois loin, c'est ce qui me motive chaque jour à me lever, clairement non, puisque je ne me suis pas levée ce matin. Toujours pas en train d'écrire, regardez les 3000 mots qui s'éloignent de mon nez. Après les rushs que vous venez de voir, la suite va probablement vous paraître sortie de nulle part. Vous allez peut-être même vous demander pourquoi je vous parle de ça, et vous aurez totalement raison. Si vous ne voulez pas ou pouvez pas entendre parler d'anxiété, je vous invite à passer ce passage. Bon, ça fait plusieurs minutes que je réfléchis à si je vous parle de ce qui se passe ou si je vous en parle pas. Et je me dis, bon, tu as dit que cette chaîne, tu devais être sincère et que tu devais parler de tout. Même ce qui n'allait pas. Donc du coup, je prends quelques minutes pour vous parler des fois, dans les journées, dans la vie en général, la vie faite comme ça. Il y a des hauts et des bas. Je vous ai dit que cette nuit j'avais eu du mal à me lever, mais ça c'est pas un truc. Enfin, cette nuit j'ai pas eu du mal à me lever, c'est juste du mal à dormir. C'est pas un truc qui change beaucoup d'habitude, enfin ça m'arrive souvent. J'ai cette tendance à me forcer, comme ça aussi je l'ai dit 30 000 fois, à dormir. Et là c'est juste que j'ai pas dormi de la nuit, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à dormir. Puis ce matin, quand je me suis réveillée, certes j'étais en retard et tout, je m'en voulais parce que je me suis dit, bon, t'es censé passer ta journée à écrire, mais bon, tu peux pas parce que voilà, t'as dormi et puis des fois, faut faire passer ton sommeil avant, ton bien avant, c'est ce que j'essaie souvent de vous le dire, que voilà, quand votre corps il vous dit quelque chose, faut l'écouter, surtout que, désolée de dire ça comme ça, mais moi je vais être dans ma période de règles, donc voilà, il y a tous les symptômes de avant qui commencent à me... Voilà, ça, moi je sais que je suis super fatiguée avant les règles, voilà, donc je sais que je suis peut-être aussi fatiguée pour ça. Sauf qu'il y a un autre truc qui vient aussi dans cette période-là, c'est les émotions incontrôlables. C'est-à-dire qu'en une journée, je peux passer de super bien à vouloir faire des bêtises, à vouloir danser comme une folle, à faire voilà. Et deux secondes après, à avoir l'impression que je vais pleurer pour rien, que je me sens vide et qu'il n'y a rien qui va. Genre,
pas rien qui va autour de moi, mais rien qui va genre en moi. Je vous ai dit que je voyais une psy. Voilà. C'est le cas et elle m'a mis sous traitement. Voilà, enfin, j'ai des médicaments à prendre tous les matins. Et des fois, ça marche très bien, je me sens super bien. Ou ça va, ça faisait 30 ans que je n'avais pas eu cet état-là, où je me sens, voilà, normal. Si on peut dire qu'il y a une normalité. Et il y a d'autres jours où, bah, comme tout de suite par exemple, enfin, c'est même pas des jours, c'est des moments où il y a des trucs, ben, je me sens juste. Genre envie de rien et l'impression que je vais pleurer toutes les 5 minutes alors que je suis pas du genre à trop pleurer. Genre, je sais que c'est quelque chose que je dis souvent, genre, oui, votre message il m'a fait pleurer, vous m'avez mis les larmes aux yeux, et parce que c'est les seuls mots que j'arrive à trouver de plus fort que merci des fois, mais pleurer c'est pas un truc qui m'arrive souvent. Vous comprendrez mieux quand je ferai la vidéo sur tout ça que je voulais vous faire. Là je trouve que c'est pas l'intérêt dans les vlogs de vous le dire, mais je voulais juste vous le dire parce que ça fait ben, une demi-heure du coup que je suis censée écrire et que j'ai toujours pas commencé parce que j'arrive pas et que mon esprit il est pas là. Genre je fixe mon écran et tout et j'ai rien envie de faire parce que c'est, y a zéro dans ma tête et en même temps je me dis oui mais en écrivant Birdie tu vas te sentir mieux et je sais que ce sera le cas, mais en même temps je sais pas comment exprimer ça, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Mais voilà, je voulais le dire parce que ben, je vous ai dit l'autre jour que je voulais parler de tout ça, de mental health et tout. Et que, ben, parce que c'est une partie aussi de ma journée, que je vlogue mes journées, donc voilà. Et qu'il y a des hauts et des bas, et que c'est comme ça que c'est la vie. Et j'admets que, ben, après, c'est pas tout le monde ne vit pas pareil, et qu'il y en a qui. Enfin, moi, je sais que j'ai de la chance de pouvoir souvent me battre avec ça, que j'ai, voilà, j'ai ce traitement, que j'ai la chance de voir une psy, que je suis bien entourée. Mais c'est juste, voilà, je voulais le dire parce qu'il y a des moments où ça va pas. Et je sais que je rigole parce que j'ai appris cette capacité à tout cacher par le sourire et le rire. Et par exemple, un exemple à la con, mais le nombre de fois où j'ai fait des soirées et où j'étais en crise de panique et que personne ne s'en est aperçu parce que justement j'ai cette capacité à cacher. Et je suis pas sûre que ce soit vraiment un point fort en fait. Parce que dans un sens, on cache ce qu'on ressent et on. Vous savez, c'est comme une éponge, au bout d'un moment, à force d'avoir de l'eau, bah, elle va tout. Et bah voilà, je pense que c'est ça aussi. Je voulais vous partager ça avec vous pour vous dire que tout n'est pas tout rose tout le temps, que c'est pas parce que je fais des bêtises et que je rigole que forcément. Voilà, on a le droit d'aller mal. Vous avez le droit d'en parler. Ça aide, en parler. Je vais pas mentir, voilà, parlez-en. Je vais parler de lui, mais c'est pas. Franchement, ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime beaucoup ce type. Mais c'est juste que hier, il y a une vidéo de Sam qui est pas du tout de Sam, mais plus de Colby. Ils ont un projet qui s'appelle MetaLife, qui est pour. En fait, ils ont Sam et Colby. Ils ont tout ce qu'ils ont fait pour devenir célèbres. Ça a été pour un but précis. C'était pour pouvoir créer une plateforme à l'aide auprès des gens pour qu'ils prennent confiance en eux, pour que les gens prennent confiance en eux, pour qu'ils oublient l'anxiété. Enfin qu'ils arrivent à lutter contre l'anxiété de santé mentale, tout ça. Et hier il y a une vidéo qui est sortie de Colby, donc elle est disponible sur leur site MetaLife que pour une semaine il me semble, que j'ai cru comprendre. Elle est en anglais, donc si vous parlez pas anglais je suis désolée, elle est qu'en anglais. Je vous la mettrai quelque part si j'y arrive dans la barre d'infos je pense. J'en ai parlé un peu sur Twitter, mais je vais pas être écart parce que j'ai fait des blagues encore dessus. Et en fait c'est très intéressant ce qu'il dit là dessus justement sur. Enfin, comment ça à côté, c'est plus sur l'anxiété à cause de toute la situation actuelle, mais c'est super intéressant de voir comment il dit comment on peut aller mal et essayer d'aller bien. Je sais pas si ça a du sens, parce que je veux pas dire genre aller mal et faire que ça va mieux, parce que c'est pas ça, c'est genre aller mal et adoucir le mal. Voilà, parce que des fois ben, faut juste accepter que ça va pas et oui, essayer d'aller bien, mais vous savez, tous ces gens qui vous disent bah faut passer à autre chose, ou faut sors, ou occupe-toi, sois productif, tu vas voir, ça va passer. Non, il y a des fois, bah, vous avez juste envie de vous poser parce que ça va pas, de vous mettre devant une série, devant un film, devant un livre, devant un truc qui vous fait oublier, ou de parler à quelqu'un et de vous dire bon ben bah, j'échange, c'est pas grave, c'est peut-être pas productif dans l'instant où je crée rien, où je suis pas en train de révolutionner le monde, mais
mais j'en parle et ça m'aide à affronter le fait que je vais pas bien. Voilà. Et moi, le fait d'en avoir parlé avec vous, voilà, une preuve que ça fait aller mieux, c'est que moi, le fait d'en avoir parlé avec vous, d'avoir parlé à ça à la caméra, ma vidéo va être sûrement trop longue à cause de tout ce que je vous dis, mais le fait d'en avoir parlé à la caméra, ça fait que je vais un peu mieux, je me sens moins, parce que je me sentais angoissée, je me sentais, vous savez, quand ça vous prend, là, et que vous n'arrivez pas à respirer, tout bien chiant, que c'est pas la crise, grosse crise qui vous fait tout trembler et qui vous fait presque avoir l'impression que vous allez mourir dans les secondes qui arrivent, mais la petite crise qui est presque aussi chiante en fait que la grosse, puisqu'elle est latente, elle est là, vous êtes dans le flou. Mes médicaments, j'ai réussi plus ou moins à me les faire partir. Mais il y a quand même des pics, parce qu'avant j'étais à un rythme de presque... Toutes mes journées étaient une crise d'angoisse. Et maintenant je suis à un rythme où ça s'est espacé. C'était un bon point marqué. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais arriver où avec ces propos? Mais oui, que cela aujourd'hui, depuis, bah, en fait à midi ça allait, mais j'ai du mal à manger. Donc je pense que c'était déjà latent. Et là après manger, je sais pas, je me suis posée, j'ai fait les stories et tout pour demain. Et je sais pas, peut-être que c'est aussi le fait de savoir que je vais plus avoir des vidéos à faire pour la chaîne. Alors que ce matin, j'ai eu, en fait c'est comme s'il y avait eu un calme avant la tempête, genre ce matin. J'ai fini le montage, j'ai fait ma miniature, j'ai regardé, j'ai fait mon bureau et j'ai pris des notes pour des prochaines vidéos que j'avais envie de faire. Et genre j'ai trouvé que c'était super productif, tu la vois, tu t'es levé tard, mais en fait t'arrives à rattraper ce retard en faisant ces trucs là et c'est super sympa. Et là après manger j'étais là, pff, genre... plus rien, et je sentais ce truc latent qui me prenait, genre j'avais des palpitations, je me sentais un peu dans le flou, l'impression d'avoir la larme aux yeux alors que moi j'ai pas de raison parce que ça allait, je rigolais avec ma mère, des trucs comme ça, et voilà, c'est arrivé, sauf que maintenant que j'ai pu vous en parler, ben ça va un peu mieux, donc je vais peut-être pouvoir écrire, je vais mettre votre playlist cette fois, et voilà, et je ressens pas l'envie forcément là tout de suite, je sais que des fois, ça m'aide pour chasser les crises d'angoisse, de rappeler quand c'est une vraie crise d'angoisse, enfin pas une vraie, il n'y a pas de vraie et de fausse crise d'angoisse, quand c'est les très grosses qui me paralysent presque. Je sais que de me remuer, par exemple de faire des petites danses comme je fais, ou de courir, ou de sauter, ou de, bah, de bouger quoi, ça me fait partir la crise. Ça rappelle en fait à mon corps que ça va, qu'il est en mouvement, que tout me fonctionne, que il a une raison là, d'avoir le cœur qui bat vite parce que je bouge, parce que je m'active, que... j'ai encore des tremblements par contre, ça c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps. Et que, je sais pas, qu'il y a pas de danger imminent. Ou peut-être qu'il se dit, c'est bon, elle a agi en conséquence du danger que je pensais qu'il y avait. Donc c'est bon, je peux me calmer. Je sais pas. Mais dans tous les cas, je sais que m'agiter, ça marche. Alors qu'on croirait en fait, depuis toute ma vie, j'ai cru que quand j'avais des crises d'angoisse, il fallait que je reste allongée, que je me calme, genre. Alors qu'en fait, non, faut que je fasse l'inverse. Faut que j'affronte le truc genre en bougeant comme si j'allais affronter vraiment un danger. Voilà. Puisqu'en fait c'est ça la crise d'angoisse. C'est votre corps qui croit qu'il y a un danger, qu'on est attaqué par un dinosaure. Je crois que c'est Amandine qui a dit ça dans une vidéo. Je vous mettrai les siennes vidéos, elle avait fait des vidéos sur les crises d'angoisse. Voilà, je m'éparpille encore, je vous parle trop, mais ça me tient à cœur, c'est ce que je veux de toute façon sur cette chaîne, c'est parler de tout ça, sans filtre, sans peur, et que. Ça vous fasse autant de bien de l'écouter que de moi de le dire. Et clairement là ça m'a fait du bien de le dire. Vraiment, je me sens soulagée de savoir que je peux le parler avec vous. Parce que bon, clairement j'ai pas envie d'appeler même si à chaque fois ça va pas. Même si je sais qu'elles sont là pour ça. J'ai pas envie d'appeler toujours. Aujourd'hui ça va pas. Oh, ça revient pas encore. Voilà. Même si voilà. Franchement ça c'est un conseil que je vous donne pas. Ne faites pas comme moi. Si jamais vous avez pas bien, que vous avez une psy, contactez-la, elles sont là pour ça. Voilà, et même si je suis proche de ma maman, il y a des fois des trucs que j'ai pas envie de lui dire forcément quand ça va pas. Parce que ça l'inquiète et d'autres choses. Voilà. Mais ça, je vous ai déjà parlé de trop de choses là tout de suite, alors que j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Après tous ces vlogs, faut vraiment que je me pose et que je fasse toutes ces vidéos que j'ai en tête pour arrêter du coup de vous rabâcher les oreilles avec les mêmes choses durant ces vlogs. Cette fois, je vais mettre la musique, je vais aller écrire, je vais finir mon thé qui est maintenant froid. Et cette journée qui est censée être une journée entièrement écriture, elle est partie dans un sens qui ne l'est pas. Partie. Autre chose à savoir sur les crises d'angoisse, c'est la dernière fois que j'en parle, ça me donne super froid, donc j'ai pris le petit plaid et je suis partie pour écrire. J'ai toujours froid, ça se voit non? J'ai avancé, j'ai écrit 500, 400, j'ai écrit 287 mots
et il est 4h05. Donc je vais y aller. J'ai fait une entorse à ce que je devais faire. Pourquoi ma chaise tourne? J'ai fait une entorse à ce que je devais faire. J'étais sur Twitter. Mais j'ai pris juste 2 secondes pour... J'ai vu un tweet de Léna Situation et je lui ai répondu. Voilà, c'est tout. J'ai juste fait ça. Rien de plus. Rien de moins. Juste promis. Après, je suis partie. Et là, franchement, j'ai tout fermé. Je garde juste Pinterest parce que j'en ai besoin pour certaines fois décrire mes personnages. Voilà. On dirait que je suis le bossu de Notre-Dame. Regardez avec ma capuche. Je me suis fait avoir avec ce sweat parce que c'est les tailles anglaises et tout. Genre, faut se mesurer pour acheter. Donc, j'ai mesuré. Et en général, je fais du S. Et les sweats, j'aime bien les avoir un peu grands. Donc, je crois que j'ai pris du M en fait là-dedans. Attendez, il y a un chat qui... Ah non, mon chacha! Tu montes pas sur l'ordinateur. Non, non, non. Non, non, non. Non. Et si? Constamment, ça. Tout le temps. Pupus, tu dis bonjour à la caméra? Non. Tu veux pas dire bonjour? Regarde, là. 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 Tu viens avec moi? Viens là. Ouais, je disais que j'aime bien les sweats quand ils sont larges et que je peux mettre la capuche. Celui-là, en fait, il est trop serré. Et du coup, regardez la capuche. Elle m'étrangle. Bon, après j'ai le chignon aussi, mais... Oh, ça va être la miniature. Pupus, tu peux pas faire ça. Comment je travaille, moi? Et elle va venir me faire la petite bouillotte parce qu'elle est chaude. Tu sens mémé, toi. T'étais chez Pépé Mémé, ma petite pelée. Elle est comme moi, elle a de l'eczéma. Pardon. Elle a de l'eczéma. Si vous connaissez un truc pour les chats, quand ils ont de l'eczéma comme ça, en fait elle se mord. Elle se gratte beaucoup. Je pense qu'elle a la peau sèche et elle se mord après pour mieux se gratter. Vous savez, elle fait comme ça là. On se retrouve et j'ai pas dansé parce que j'avais cette petite bête adorable sur mes genoux qui m'a empêchée de danser. Alors que franchement plusieurs fois j'aurais bien voulu. Mais j'ai dû danser avec les bras. Parce que je pouvais pas faire autrement. Parce que ma chérie d'amour était là. Et qu'elle m'a mis des poils partout. Et y est un chat blanc avec des vêtements noirs. Tu peux attendre mon téléphone s'il te plaît. Alors, il est 18h. 38. Je décide d'arrêter ma session d'écriture maintenant pour pouvoir avoir le temps de faire le montage ce soir, me reposer ce soir aussi, me poser devant une série, un truc. Je pense que c'est le moment que je prenne du temps pour moi tout de suite. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai écrit 2152 mots. Je me dis que demain, vu les questions que je vous ai... C'était mon téléphone ça, Pupus. Fais pas l'innocente, hein. C'est les questions que je vous ai posées par rapport à demain. En théorie, je devrais devoir écrire, si je me lève, devoir écrire du matin jusqu'au soir, passer ma journée à écrire. Donc, il va me manquer 4800 mots. 4800, non, 3800. Je vais y avoir une question d'acheter là. 4800, ça va faire un peu trop. 3800, je pense que je peux le faire en une journée. Donc voilà, je vais essayer d'écrire 3800 mots demain. Je suis partie de ce principe-là que de toute façon il fallait que je fasse passer mon repos avant le reste. J'ai pas envie d'être dans... Pour le dernier jour, j'ai pas envie d'être dans le même état psychologique que j'étais aujourd'hui. De toute façon, ça a été mieux à partir du moment où aussi cette bestiole est venue me voir. Je pense qu'elle l'avait senti. Non, plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire du coup? Écrire, bon, depuis ce matin, ça on a vu très... Je l'ai dit tout le long de la vidéo, j'ai fail complet. Puisque je ne sais pas me lever.
Et comme d'habitude, il me manque une question là. C'était quoi la troisième question? Pupus, c'était quoi la troisième question? Je sais pas toi non plus. Écrire en coupant tout sauf votre playlist et j'avais le droit de danser. Bon bah du coup j'ai un petit peu dansé. Je crois qu'il y a deux musiques où j'ai dansé, où c'est filmé et le reste c'était pas filmé. Tu peux arrêter de cliquer sur n'importe quoi. Parce que ben, j'étais avec cette petite bête là et que ben, c'est pas facile de se mettre debout et de danser. Je regarde, ça fait deux jours de suite là que je danse pas. T'es partie où? En fait, je trouvais que quand on forçait trop la productivité et qu'on passait trop de temps à écrire, il arrivait forcément un moment où la productivité, elle nous lâchait et qu'on avait ce coup de moins bien. Genre, vous savez, à force de monter, ben, va forcément redescendre. Et il y a forcément un moment où ça va faire pop, pop, pop et que ça va, voilà. Je pense que c'est aussi, voilà, ça m'est arrivé aussi à peu près la semaine dernière, à peu près à ce moment-là. Je pense qu'il y a tout qui arrive aussi en même temps, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis dans ma période de règles. Il y a la fatigue, il y a ben, la fatigue quant au camp nano, cette nuit j'avais pas dormi, voilà, il y a plein de choses qui sont enchaînées, qui ont fait que ça allait moins bien, mais bon, voilà. J'ai réussi à reprendre un peu du poil de la bête. Mais demain c'est le dernier jour. Enfin, pour vous, c'est le dernier jour. Pour vous, comme vous voyez cette vidéo, c'est le dernier jour. Je vais essayer de pas fuiter sur les réseaux si j'ai atteint les 60 000 ou pas, si je suis arrivée ou pas. Je vais pas en parler pour que vous ayez vraiment la surprise ben, dans le vlog de demain. Du coup voilà, vous aurez encore un vlog demain puisque même si pour vous là tout de suite quand vous regardez on est le 30, donc le dernier jour d'avril, qu'il y a moyen comme il y a un décalage de vidéo, voilà. Je suis désolée, ce vlog aura pas été non plus des plus drôles, je pense qu'il aura pas été super divertissant aujourd'hui. Mais ça arrive, voilà, ça aussi ça arrive, c'est des jours comme ça. Je vais essayer de recharger mes batteries pour le dernier jour et ou être plus mieux. Et de toute façon, il faut que je recharge mes batteries pour réussir à tenir toute la journée demain. Oh, 3800 mots demain. Je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas. Donc du coup, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez des pauses quand vous en avez besoin, quand votre corps ressent la fatigue, prenez une pause. Quand votre mental ressent le besoin de faire une pause, faites une pause. Prenez le temps de respirer, prenez le temps de prendre du temps pour vous. Écoutez-vous, si vous avez besoin de, je sais pas, si vous avez un bain, vous avez besoin de prendre un bain, prenez un bain. Si vous avez besoin de prendre un livre, prenez un livre. Si vous avez besoin de regarder un film, regardez un film. Ou juste de rien faire, de vous poser, de penser, ben pensez. Voilà, prenez le temps que vous avez besoin pour faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à venir me parler moi, à moi. Venir me parler moi, ça ne veut rien dire. Voilà, n'hésitez pas à venir me parler à moi. Je crois que j'ai déjà dit ça aussi dans un vlog. Voilà, si vous avez besoin, je suis là. Tous mes réseaux sont en barre d'infos. Moi, j'ai ma caméra pour parler, mais vous avez pas, à part m'écouter, vous n'avez peut-être pas quelqu'un avec qui parler, donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Je sais que je suis en retard sur les commentaires, je vais m'y remettre. Sinon, comme d'habitude, continuez d'être vous. Continuez d'être géniaux, parce que je sais que vous l'êtes. Tous les jours, vous me vendez du rêve quand je vois vos commentaires, quand je vois vos interactions avec moi. Vous êtes des gens merveilleux, donc gardez-le à l'esprit quand même, parce que je sais pas si des gens vous le disent assez. Des gens vous le disent. Est-ce que c'est français ce que je dis? C'est pas grave, c'est pas français, vous avez compris. Voilà, vous êtes des gens bien et je pense que c'est important que je vous le dise. Continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, n'ayez pas peur de vos idées. Si vous sentez qu'un nouveau choix est meilleur à faire, faites le nouveau choix. Testez. C'est pas grave. Ce sera pas un échec, vous aurez essayé, vous aurez appris de ce que vous avez fait, donc essayez. Non, comment disait Yoda? Fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai. Genre dans tous les cas, t'auras fait quelque chose. T'en tireras une conclusion dans tous les cas. Donc voilà. N'essayez pas, faites. Faites et vous verrez. Et bah, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, continuez d'être différents, soyez différents, acceptez vos différences, acceptez votre façon de penser, revendiquez vos idées, faites-vous entendre quand il le faut. Et ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le dernier jour. Demain c'est le dernier vlog.